À l'occasion de la dernière émission de la saison de Quelle Époque, ce samedi 24 juin 2023, Ninon, la plus jeune fille de Christophe de Chavannes, est venue le soutenir dans le public. Mais cette présence n'a pas du tout plu au principal intéressé, qui, très mal à l'aise, s'est refusé à tout commentaire. Hier soir, samedi 24 juin 2023, avait lieu la dernière émission de cette saison de Quelle Époque. L'ultime occasion pour sa présentatrice Léa Salamé et son invité permanent Christophe de Chavannes, qui rempile pour une nouvelle saison, de faire les pitres autour de questions sérieuses et d'invités qui font l'actualité. Bertrand Chamerois, Patrice Carmouze, Clay Canto, Yannick Aleno et Valérie Damido étaient hier présents en plateau. Mais si est-il dans le public que se trouvait l'invitée la plus particulière de l'ancien présentateur de Coucou si est-il nous. Sa fille Ninon était en effet venue le supporter, assise juste à côté de Paul de Saint-Cernin. Une très mauvaise place, bien trop visible, pas du tout au bon endroit, a commenté Christophe de Chavannes, visiblement gêné par cette présence familiale. Une situation gênante, pour Christophe de Chavannes pendant l'intervention de Paul de Saint-Cernin, l'acolyte de Léa Salamé a commencé à s'agiter. Attends, il n'est pas content. A commencé par intervenir la présentatrice, Hilar. Non, non, on ne voit que Paul, si est-il très bien, a alors commencé par dire Christophe de Chavannes en demi-teinte. On voit une jolie fille à côté. Si est-il qui, si est-il la fille de Christophe de Chavannes, a finalement lâché la compagne de Raphaël Glucksmann, plus malicieuse que jamais. Des présentations qui n'ont pas du tout plu au principal concerné, réagissant par plusieurs signes de tête négatifs gênés, ne commentant pas cette situation qui le mettait de toute évidence très mal à l'aise. Mais vas-y, Paul. À l'inverse, sa fille Ninon offrait un grand sourire, visiblement heureuse d'être venue assister à cette dernière. Aujourd'hui âgée de 25 ans, la jeune femme est très proche de son père, et il est par ailleurs très fier d'elle. Il révélait d'ailleurs l'avoir élevée seule depuis qu'elle a 8 ans. Si est-il une fille formidable, confiait-il récemment dans 50 Inside. Maintenant que tu es grillé, est-ce que tu veux te présenter? Lui a demandé un Paul de Saint-Cernin espiègle. Mais il a tout de suite été interrompu par Christophe de Chavannes, survolté, criant, « Mais vas-y, Paul. Non, ça va être dur maintenant », a poursuivi l'humoriste. Et en effet, les présentations ont vite été écourtées et l'émission a repris son cours, comme si de rien n'était. Article écrit en collaboration avec 6 médias.